And here's a story about being free. Bonjour, le plan d'eau de Bout de Bois à Saffré, c'est ici que s'est déroulée début juin la fête de la pêche, organisée par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Elle compte pas moins de 30 000 adhérents sur le département. La fête de la pêche, l'occasion d'attirer de nouveaux pratiquants, mais aussi de changer l'image du pêcheur. Alors ben, là vous êtes sur le site de Bout de Bois, c'est la fête de la pêche, c'est une journée qui est nationale, c'est une journée qui est dédiée à la pêche, c'est été déclaré même au journal officiel de la République française. Et donc, et en plus, on a le stand de la Fédération de pêche et qui permet de communiquer à la fois sur la pêche, mais aussi sur la protection des milieux aquatiques. Parce qu'on a trop souvent tendance à considérer le pêcheur comme un préleveur, mais pas comme un protecteur de l'environnement et des milieux aquatiques. Or là, on essaie de promouvoir cette mission qui est la nôtre aussi, de protection, et qui est une mission qui est très 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 importante et qu'on réalise avec d'autres partenaires, comme le Conseil Général, comme le Conseil Régional, etc. quoi. Pour la Fédération, c'est l'occasion de présenter nos actions. Donc, on est une structure qui s'occupe de préserver les intérêts des pêcheurs auprès des collectivités et également de préserver le milieu aquatique. La Fédération travaille également à sensibiliser le jeune public et le public qui ne connaît pas les milieux aquatiques. Donc, on a certaines journées dans l'année qu'on dédie à la communication et à la sensibilisation. On va présenter aux enfants les macro-invertébrés aquatiques, donc la microfaune des eaux douces. On va également présenter les poissons qu'on rencontre sur notre département. La journée de la pêche, c'est également l'occasion de rappeler que les femmes sont également présentes sur les bords de cours d'eau, que la loisir pêche n'est pas un loisir réservé aux hommes et que de plus en plus, ça devient une discipline familiale avec une transmission de maman à enfant. Exceptionnellement pour la fête de la pêche, il existe un arrêté ministériel qui permet à tous les pêcheurs de venir pêcher sur le plan d'eau de Bout de Bois gratuitement, sans être nécessairement possesseur d'une carte. Il n'y a pas d'âge pour commencer à pêcher. Nous avons une offre qui s'appelle l'offre découverte pour les moins de 12 ans. Une fédération est là pour fédérer. Et à partir du moment où on fédère, on fait appel à toutes les formes de pêche possibles et imaginables, et les plus insolites même. On a demandé à l'ensemble des bénévoles de nos sociétés de pêche, des AAPPMA, de venir et de nous rejoindre sur ce plan d'eau pour pouvoir un petit peu promouvoir les activités pêche, promouvoir la pêche dans tous ses états. C'est le cou, c'est le carnassier, c'est la mouche, c'est la carpe. Donc la pêche à la mouche, effectivement, on n'est pas sur une zone départementale qui accueille une population de salmonidés, on va dire comme la truite ou comme le saumon, mais on a des sections dédiées à ce poisson-là et à cette technique-là. On a deux ou trois cours d'eau qui peuvent se prêter aussi à cette pêche. Et puis le street fishing, on va certainement aller voir les gars qui s'occupent de ça. C'est une association qui s'occupe de ça. Alors street fishing, c'est littéralement en anglais la pêche de rue. Et le principe, c'est les gens qui vont travailler en ville, à partir du moment où ils ont l'occasion d'avoir une ville qui est traversée par un cours d'eau, ils sortent de leur boulot, ils déploient leur canne et entre midi et deux, ils mangent leur sandwich et ils vont taquiner un peu le black bass ou le carnassier ou le poisson blanc. Voilà. Donc il paraît que ça commence à devenir assez développé, à se développer, surtout sur la région parisienne. Alors pourquoi pas pour en Loire-Atlantique. Et pour savoir où pêcher et quelle est la société de pêche la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site internet de la Fédération départementale www.fédérationpêche.fr/44.